Le réalisateur qui s'attarde sur le meilleur buteur du championnat, qui espère d'ailleurs profiter de ce match pour creuser l'écart sur ses poursuivants. Salut à toutes et à tous, je suis avec Pierre Ménès. Quelle chance j'ai quand même. Oui, c'est vrai que t'as de la chance. Bonjour à tous. C'est un match que nous allons suivre avec Burnley face à Manchester City. Number 29, Nick Pope. Number 28, Kevin. Manchester City qui est, je vous le rappelle, l'une des toutes meilleures formations anglaises en déplacement cette saison. Oui, les joueurs en sont maintenant à 10 victoires sur 12 matchs. Number 4, Jack Cole. Number 34, Andreas Pereira. And number 10, Ashley. Manchester City, que l'on avait quitté après sa victoire à domicile face à Newcastle. Belle performance avec une victoire de 3-1 pour le match qui nous intéresse aujourd'hui. En revanche, je vois plutôt un nul. On regarde les joueurs de Burnley pour ce match. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Ouais. Ah oui, la bonne passe. La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ashley Barnes. Oh, c'est désert sur les côtés pour Burnley, il y a un coup à jouer. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Zinchenko. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Barnes. Et il donne un ballon piqué. Lennon. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Ah oui, le tir. Ouais, dommage. La frappe était pas mal. Ça passe juste au-dessus. Benjamin Mendy. David Silva. On écarte le jeu. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, il donne de l'air à son équipe. La passe est mal assurée. C'est une interception. La frappe. Et c'est un but. Ça touche le poteau en entrée. Le ballon qui vient heurter le poteau hein, avant de rentrer. Il trahit parce que c'est mon temps, comme on dit. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. City a l'avantage dans ce match. Andreas Pereira. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Torres. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche par Aaron Lennon. Benjamin Mendy qui dégage et donne de l'air à ses partenaires. David Silva. Zinchenko.
Daniele Rugani. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Jack Cork. Aaron Lennon. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. David Silva. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Non, une frappe. Oh, sauvé par la barre. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. La chance s'en mêle, elle empêche cette équipe d'égaliser, dommage pour elle. Le tir. Oh, magnifique, l'arrêt est difficile. Andreas Pereira. Borgui. Benjamin Mendy, Phil Foden. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Torres. Attention à la frappe. Mantiti qui va bénéficier du corner. Ah, il a réfléchi, il a hésité l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Le corner en direction du point de pénalty. Ah, pas facile. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Le gardien qui avait repoussé une première fois, mais ça n'a pas suffi dans un deuxième temps. Le buteur, il s'est pas fait prier pour marquer. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Jack Cork. Et le break peut être fait à la... Allez, c'est reparti dans ce match. Manchester City qui mène, on le rappelle. Phil Foden. David Silva. Torres. Ils sont entrevers ses partenaires. Ah ouais, les mains sûres du gardien. Sauf ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique! David Silva qui intercepte, qui avait senti le coup. Pierre, votre avis sur le prochain match de Manchester City? Le club va rencontrer Chelsea pour cette prochaine rencontre. Ce sera l'occasion d'un match de championnat anglais. Un match serré, si tu veux, mon avis. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Je crois qu'il va être averti. Oui, le carton jaune, l'arbitre est très clair. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Elle, la voilà, la frappe. Elle a une touche bien placée pour City. Le voilà qui va sortir. Il peut être satisfait hein, de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Il a joué la sûreté hein, sur ce dégagement. Benjamin Mendy choisit la frappe. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid.
Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Alors ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont entrer sur la pelouse. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Allez, dans le couloir. Il faut qu'il centre là. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Daniele Rugani. Bernardo Silva. David Silva. De Bruyne. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Mendy. Benjamin Mendy. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. David Silva. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Il s'avance vers la surface. Oh, le but peut-être. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Torres. Borgui. Ignacio Abate. Long. Steven Defour. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ah oui, c'est bien fait ça. Bernardo Silva. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Il ouais, était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Mendy. Kevin De Bruyne. Torres. Sterling. Et le ballon qui change de camp. Borgui. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Mendy. Kevin De Bruyne. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Et c'est fini à l'instant. C'est donc Manchester City qui s'impose. La rencontre qui prend fin avec cette victoire. Et la bonne passe. On every side.